qu'on organise avec eux. Il n'y a pas que les nôtres, bien entendu. Mais voilà, c'est une nouveauté qu'on a mis en place avec, avec nos amis de Webikeo. Le premier, donc, c'est celui d'aujourd'hui sur les 5 enjeux du content marketing. Et puis, le 6 avril, nous aurons un autre webinaire sur le télétravail en France dans le reste du monde. Ça relancera un article que j'avais écrit sur la réalité et les polémiques du télétravail. Qui est ce webinaire, on l'organise avec Xavier de Masno de The Village, qui est le référent dans ce domaine du télétravail et du travail à distance. Alors le 11, celui-là, il faut bien le noter aussi, à 11h15, nous aurons un webinaire dédié au social media listening. J'aime pas trop le terme, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle, paraît-il. L'écoute des médias sociaux, les études sur les médias sociaux. Et on verra justement comment nous pouvons refonder ces études sur les médias sociaux, en quoi elles sont largement réinventées. Avec Rosen Nardin. D'ailleurs, on est en train de préparer un livre blanc qu'on va appeler Manifeste pour la refondation des études sur les médias sociaux. Social Media Listening, du bruit au signal, sera le titre également du livre blanc. Pour le replay, je pense que vous y aurez droit parce que cette conférence est enregistrée et elle sera mise à disposition par nos amis de Webikeo. Alors le 11 mai, Social Media Listening, le 8 juin, 14h15, la transformation digitale, également avec un nouveau livre blanc. Alors là, pour l'instant, j'en ai 40 pages, mais il y a les 50 suivantes qui sont en train d'être écrites. Donc il y aura un énorme livre blanc d'une centaine de pages. Et également, on y reviendra, mais l'annonce du bouquin, on a décidé ça avec Hervé Cabla cette semaine. Le lancement du nouveau bouquin Kawa de l'année prochaine qui s'appellera, alors on est en débat encore avec Hervé, la stratégie digitale expliquée à mon boss ou le digital expliqué à mon boss. Donc plus orienté stratégie et transformation digitale. Voilà, nouveau bouquin Kawa à la suite de la communication digitale le best-seller de Kawa depuis maintenant 2 ans. Et alors depuis ce matin, j'ai pas encore la date exacte, mais ça sera tout début juillet, le temps de le caler avec Webikeo, un nouveau webinaire sur science-fiction et innovation. Et on verra avec Pierre-Olivier Desmurs de NomAdvise, qui représente également l'ADTEM. Nous verrons comment, pourquoi et dans quelle mesure, et avec quelles limites aussi d'ailleurs, les auteurs de science-fiction ont pu inspirer le monde de l'innovation, parfois très en amont. Alors pour Laurence, il y aura effectivement un support écrit, pour tout le monde d'ailleurs, parce que cette présentation que je n'avais pas mise en ligne, je la mettrai en ligne sur mon SlideShare quand j'aurai un petit peu de temps. Donc on le mettra un petit peu plus tard. Mais Webikeo doit avoir le PDF et ils le mettront en ligne également sur leur plateforme. Bien, voilà donc pour les webinaires Le Lab 2016. Et donc bienvenue à tous les participants. On est près de 120 sur ce webinaire. Hein. C'est la preuve que on avait raison de s'intéresser à ces webinaires qui sont, comme je l'ai dit très récemment sur mon blog, probablement l'arme fatale du, en tout moins en marketing B2B, ça c'est clair. Mais je pense certainement que ces webinaires peuvent également servir aussi dans d'autres secteurs, pour la formation, pour le support des clients, pour les échanges, les études, qu'on appelle les études chaudes, être capable d'avoir des feedbacks directement des clients. Il y a des tas de choses qui peuvent être inventées avec cet outil. Moi, j'ai fait beaucoup de formations depuis près d'une dizaine d'années sur ces outils-là, donc ce n'est pas quelque chose uniquement récent. Donc,
Aujourd'hui, on va plutôt parler du contenu, du marketing du contenu. Les webinaires en sont un des exemples, un des avatars. C'est un des véhicules, c'est pas le seul, mais qui était un véhicule, à mon avis, de plus en plus important. Et ce marketing du contenu, eh bien, vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, si vous étiez déjà dans le métier, c'était un sujet qu'on abordait. Moi, ça fait 20 ans que j'en fais, 22 ans en fait. Le premier site de contenu que j'ai fait, c'était un site qui s'appelait internet-banking.com en Angleterre. Et en fait, le principe était simple. J'étais chez Unisys à l'époque. On était se lancer dans la banque sur Internet et clairement, on n'était pas très très bon. En fait, on ne sait pas qu'on était très très bon, on était ni très mauvais, c'est qu'on n'en avait jamais fait. Donc, il fallait bien s'établir sur ce domaine et montrer sa compétence. Alors, comme on n'avait pas les moyens de faire de la publicité, on a fait du contenu. On a créé un site qui nous permettait d'évaluer ce que faisaient les banques ou de ce qu'elles ne faisaient pas et d'établir notre compétence. Bon, et ce qui s'est passé, ça c'était en 96, donc vous voyez, c'est vraiment 20 ans, je ne mens pas. C'est effectivement, ça marchait très très bien dès cette époque-là, même si l'Internet était moins peuplé. Pendant 20 ans, on a eu, le champ libre pour les créateurs de contenu sur le web. Hein. Ce n'est pas forcément quelque chose de spécialement nouveau, mais qui était relativement balbutiant pour beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas complètement au point. Et il y a 7 ou 8 ans, il y a des coupures. Ça, j'y peux pas grand-chose, malheureusement. Ça doit être vos connexions. Ok, merci pour Justine. Il y a 8 ans, quand j'ai démarré les blogs sur Orange Business Service, on me disait, il y a effectivement marketing du contenu, on commence à en entendre parler, mais on n'est pas le Figaro, et les gens commençaient à devenir un petit peu agressifs, parce qu'ils n'avaient pas trop le temps, et ce n'était pas véritablement à l'ordre du jour. Et ça... c'est quelque chose qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui. Il y a une grosse évolution. C'est arrivé véritablement dans les 2 ou 3 dernières années. Mais en fait, si on veut revenir à l'origine du changement, je pense qu'on peut, même si c'est loin d'être, le premier qui est écrit sur ce sujet-là, hein, parce que ce n'est pas pour me vanter, mais on écrit quand même sur ces sujets-là depuis très 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 longtemps. Mais Joe Pulizzi, lui, a mis ce content marketing, pour lui reconnaître ce mérite, à l'ordre du jour en 2014. J'ai été personnellement très étonné de voir le nombre de gens qui découvraient ce sujet si tard. Mais c'est vrai que ce livre a marqué son époque. 2014, ça peut paraître hier, mais c'est déjà très vieux. Et il a créé un véritable engouement. Un véritable engouement, pas seulement aux États-Unis, mais aussi chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins besoin d'expliquer, moi ou mes confrères, nous avons moins besoin d'expliquer l'importance du content marketing. L'enjeu s'est déplacé. L'enjeu s'est déplacé du « il faut faire du content marketing » à comment on peut le faire. Et en fait, ces enjeux-là, on peut même, les dénombrer de la manière suivante, je dirais, on a passé cette étape du savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire du content marketing pour exister, pour créer sa e-réputation, sa réputation d'entreprise, mais c'est un terme un petit peu moins à la mode, mais qui reste valable. C'est exactement ce que j'ai expliqué il y a quelques secondes sur ce travail qu'on avait fait chez Unisys sur internetbanking.com. Hein, c'est un moyen d'établir la compétence, et c'est pour ça aussi que ça marche si bien en marketing B2B, parce que le marketing B2B fonctionne comme ça. Il fonctionne non pas sur le déclaratif, je suis le meilleur, je suis le plus fort, mon produit est le plus beau, le moins cher. Il marche sur, non pas sur le déclaratif, il marche sur la preuve. C'est le marketing de la preuve. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, le marketing B2B n'est pas en retard sur le marketing B2C. Et un article qui va bientôt sortir sur le blog de Sparklane, hein, qui est le nouveau nom de The Base, sur lequel j'écris aussi régulièrement,
et qui vous expliquera les 5 raisons pour lesquelles, à mon avis, le marketing B2B est véritablement le marketing le plus intéressant et le plus intéressant aussi en termes de job et en termes d'opportunités pour les marketeurs. C'est indéniable. Et je pense que ce marketing B2B, justement, il est très en avance en termes de compréhension des enjeux du marketing du contenu, parce qu'il fonctionne de façon très similaire avec la façon dont on achète en B2B. On achète à des gens en qui on a confiance et qui ont établi cette confiance au travers de leurs compétences et non pas au travers de leurs déclaratifs. Donc le sujet s'est déplacé maintenant. Il s'est déplacé non pas sur la nécessité de faire du contenu, il s'est déplacé sur la nécessité de savoir comment on peut le faire autrement que les autres. Et ça, c'est une véritable question, parce que comment faire autrement que les autres sur un marché où il y a beaucoup de contenu et il y a beaucoup de gens qui écrivent, et c'est toute la difficulté. Comment sortir du lot? On va y revenir dans une seconde, c'est ce qu'on appelle le fameux content shock. Des efforts d'internationalisation arrivent sous forme de pression budgétaire, mais pas seulement sous forme de pression budgétaire, aussi par la nécessité, et ça encore, c'est quelque chose sur lequel le B2B est pionnier, même sur des entreprises qui sont relativement peu nombreuses, sur la nécessité de faire intervenir directement des employés, des experts de l'entreprise. Encore une fois, le marketing B2B ici va être en avance en termes d'utilisation du GC par rapport à un marketing B2C qui, lui, va être beaucoup plus difficile à faire démarrer en termes de contribution utilisateur, puisqu'on va être obligé d'aller chercher des consommateurs, et ça va demander des efforts et des budgets bien bien, bien supérieurs. Donc cette internalisation, elle est logique. C'est l'exemple qu'on a fait d'ailleurs l'année dernière avec Business et Décisions et leur blog sur les big data, qu'ils ont internalisé. Au lieu de... Je reviendrai d'ailleurs sur ce nécessité de changer le rôle des agences, c'est que au lieu de tout fabriquer pour eux, on leur a appris à démarrer ce blog. Ils sont très très bien débrouillés très rapidement. Alors la question justement des blogs, celle-là, des blogs qui sont morts, Dieu sait qu'elle nous a cassé les pieds. D'ailleurs, c'était même un peu le point de départ de mon travail sur les médias sociaux et les blogs en B2B il y a 8 ans ou 9 ans maintenant, puisque les blogs de Orange Business Service, ils ont près de 9 ans. Ça commence, vous imaginez, ça commence à faire très très long pour une vie de blog d'entreprise. Et vous voyez, sur cette période de 10 ans, près de 10 ans, ils ne sont pas morts, ces blogs d'entreprise. Ils sont établis... ces blogs d'Orange Business Service se sont établis sur leur marché pour établir véritablement une compétence. Ils sont devenus incontournables. Et on ne nous pose plus la question de savoir si les blogs sont morts. Non, je pense que la question, elle s'est aussi déplacée. Elle s'est déplacée de plusieurs façons, d'ailleurs. On a eu une période où on nous a dit que les blogs étaient morts. On s'est aperçu que finalement, ce n'était pas le cas. Sur le coup, la plateforme WordPress est devenue largement dominante dans les années 2010, 11, 12, jusque maintenant, et jusqu'à représenter à peu près, selon les chiffres de Journal du Net, 80% des plateformes de blogs, ce qui est assez logique. Et puis même, il y a eu une période à partir de 2011 où les responsables web sont pris à rêver qu'on allait remplacer tous les sites par du WordPress. Je ne sais pas pourquoi, tout passe toujours d'un extrême à l'autre. Les plateformes de blogs étaient devenues incontournables. Et puis finalement, on est en train de revenir de ça, parce qu'on s'aperçoit que d'un côté, il y a les blogs, qui sont, que je dis d'ailleurs depuis le début, qui sont très dynamiques, avec des techniques de référencement très 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 rapides, mais aussi très éphémères, avec donc finalement beaucoup mieux d'avoir une technologie best of breed sur les blogs et d'avoir une technologie CMS sur les sites, et d'être capable de séparer l'un de l'autre. Mais en fait, c'est véritablement deux façons d'écrire différentes. Il ne faut pas croire que le contenu, c'est réservé au blog. Le contenu, c'est également pour les sites. Hein, ce n'est pas parce que vous avez un blog que votre site doit être complètement rasoir. D'ailleurs, sur Visionary Marketing, bien sûr, on fait en volume tous les jours beaucoup plus de visites sur le blog, sur la longue traîne, mais les pages qui font beaucoup plus de visites, c'est les pages du site, qui sont les pages de définition, les pages de vision, les pages d'explication.
Donc cette nouvelle question aujourd'hui, c'est véritablement la question de fond aujourd'hui, c'est le content shock, je vais vous expliquer dans une seconde de quoi il s'agit. Et puis beaucoup d'interrogations, comment faire, comment y aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc on va voir aussi aujourd'hui 5 enjeux qui me paraissent cruciaux. Alors ce n'est pas des enjeux que j'ai relevés sur une quelconque abaque statistique, hein. C'est plus du feeling par rapport à ce que je sens sur le terrain. Mais des choses qui sont quand même très concrètes et très proches du terrain, hein, qu'on voit tous les jours chez nos clients. Alors, la première chose, c'est le fameux content shock. Alors, le content shock, je vais revenir et moi, je vais vous expliquer comment, justement, vous pouvez utiliser ce content shock, non pas pour vous désespérer, mais justement pour envisager l'avenir de façon sereine. Ce content shock, en fait, c'est une expression qui est née, en fait, pas tellement longtemps après le livre de Joe Pulizzi, et en réaction d'ailleurs au livre de Joe Pulizzi, qui était lancé par un blogueur. Si vous ne connaissez pas ce blog, d'ailleurs, je vous incite à le lire, il est vraiment bien, il s'appelle Grow, Marketing and Social Media, et aussi Humanity, donc des fois des sujets un petit peu plus sérieux. Et c'est le blog de Mark Schaeffer. Et c'est lui qui a sorti ce terme de content shock, et il a finalement mis le pied dans le plat, hein, d'une certaine manière, en disant « Ok, Joe Pulizzi nous a expliqué que, effectivement, on pouvait créer du contenu et que c'était pas nouveau, mais que, puisque Pulizzi explique que c'est même John Deere en 1860 qui a inventé ça, même avant Michelin. » Mais effectivement, on a cet outil qui est Internet qui permet d'écrire à tout le monde et maintenant on a des techniques qui sont bien maîtrisées. Mais le niveau de lecture des utilisateurs, lui, est limité. Donc si on a la possibilité d'étendre la production de contenu de façon quasiment infinie, il est par contre beaucoup plus difficile faire lire tout le monde des choses intéressantes. Donc en gros, si tout le monde peut écrire des blogs, c'est pas pour autant que tout le monde est intéressé par ce qu'il raconte, et surtout ça finit par créer une telle pléthore de contenu que il y a, je dirais, un plateau de lecture, soi-disant, selon Mark Schaeffer, un plateau de lecture avec une barrière à l'entrée qui est très très élevée. Et c'est vrai que dans la langue anglaise, la barrière de lecture est bien plus élevée qu'en français. Hein, si on regarde le blog de nos amis de Business et Décision, merci pour le lien vers Gros, hein, j'avais pas le temps de le noter, c'est sympa. Je vais vous mettre celui de Business Decision. Donc le blog de Business Decision, c'était monté fin octobre 2014, en à peine 2 mois, sur un sujet quand même pourtant assez couru, assez usé, on va dire, même en France, en termes de contenu, en tout cas. Eh bien, on est arrivé à trouver assez rapidement une position sur le marché avec près de 500 vues par jour, ce qui est vraiment assez important. D'ailleurs, je pense qu'il y a même un moment où on faisait plus que le site de Business et Décision, que le site principal, hors média, bien sûr, hein, hors média. J'entends uniquement tout ça, c'est du earned media et non pas du paid media. Donc, c'est que du média en propre, hein, qui est fabriqué par Business et Décision et un petit peu par moi à l'époque. On arrivait à 500 visites par jour, ce qui est quand même énorme pour un site B2B. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est la moyenne d'un site B2B par jour, c'est moins de 50 visites en France, hein. C'est ça. Mais on peut encore arriver à des visites qui sont assez importantes. Alors en anglais, ça va demander un effort beaucoup plus important et ça va demander surtout de calibrer son contenu. En fait,
Ce que dit Schaeffer, c'est que la barrière à l'entrée devenant inaccessible, les gagnants sont les plus riches. C'est certainement ce qu'on voit beaucoup sur le B2C d'ailleurs, hein, mais aussi sur le B2B. Regardez ce qui s'est passé avec la vidéo de Volvo Trucks, par exemple, hein, qui a été avec, avec Van Damme. J'allais dire José Van Damme, mais non, ça c'est le chanteur, j'ai oublié son prénom. L'acteur belge qui est aux États-Unis et qui fait la démonstration. Jean-Claude Van Damme, merci pour lui, excusez-moi, j'avais un trou de mémoire. Mais José Van Damme, c'est très bien aussi. Voici, en fait, le chiffre n'est pas officiel, mais pour faire cette vidéo-là, il fallait quand même plus de 2 millions d'euros. Et 2 millions d'euros, c'est effectivement une barrière à l'entrée qui est assez importante. Et pas, si vous êtes un petit acteur, un petit cabinet de conseil comme nous, ou bon, pour pas toujours nous citer, on va prendre Octo Technologies par exemple, qui sont spécialisés dans l'architecture et dans la transformation digitale, bon, ben, c'est des gens qui sont pas plus de 50, mais ils arrivent à faire beaucoup de bruit avec leur contenu et à se positionner sur le marché, à exister, à être très très connus grâce à ça. Donc il y a encore de la place. Alors en France, c'est un peu plus facile. À l'international, c'est un petit peu plus dur, mais ce qui est surtout certain, c'est que cette, merci Alix pour la vidéo, c'est que cette question de pléthore d'informations, elle est récurrente. C'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps. Depuis longtemps, on a des gens qui font des jérémiades. Alors, on a eu un fameux article de Time, d'ailleurs, j'avais répondu à cet article sur mon blog, et qui disait, en gros, c'est bien de pouvoir écrire, mais bon, on n'a pas assez d'yeux dans le monde pour pouvoir lire tout ce qui existe. En fait, cette question-là, elle a toujours été présente, depuis qu'on s'est imprimé des livres. Les gens qui sont, à la base, détenteurs du savoir et qui délivrent ce savoir, les savants, les gens qui sont établis, ont toujours mis le doigt sur le fait que donner le savoir à plus de monde et donner la possibilité à plus de gens d'écrire allait toujours galvauder ce savoir. Alors ce qui est certain, à partir du moment où tout le monde écrit surtout, je vous enverrai Umberto Eco qui a écrit des choses très marrantes sur les social media, en gros, qui dit que ça a donné le droit à des tas de gens pas très intéressants de faire le café du commerce sur, et que tout le monde puisse le voir. Quelqu'un de bien intentionné me mettra certainement la bonne citation. Mais oui, c'est sûr, ça permet du contenu très bas de gamme. Mais je dirais, il y a toujours eu cette question de savoir si on allait pouvoir, le fait de pouvoir étendre la connaissance et étendre la possibilité de lire et d'écrire, allait augmenter ou réduire le savoir. Et les vues sont toujours opposées là-dessus. J'ai pris deux dystopistes bien connus de Grande-Bretagne, George Orwell et Aldous Huxley. Le premier qui craignait qu'on supprime les livres. L'autre aussi qui disait l'inverse, qu'il n'y aurait plus personne qui aurait envie de les lire. Je pense qu'il y a toujours ces craintes que, finalement, le niveau baisse. Je demandais à Jody peut-être d'écarter sa souris, merci. De craindre que le niveau baisse ou que des gens, peut-être un petit peu moins bons, viennent polluer les espaces avec leur contenu. Moi, je vais dire un truc, c'est, je pense que c'est une chance. Ce content shock, c'est une chance. C'est une chance pour nous parce que, du coup, ça nous oblige à être meilleurs. Ça nous oblige à nous sortir les tripes pour que notre contenu soit de plus en plus engageant, de plus en plus intéressant, ce qui ne veut pas dire qu'il soit de plus en plus trash. Alors ça, je dirais, on ne manque pas de ça. Il y a en ce moment une mode qui est d'ailleurs fort intéressante et qu'on peut utiliser à bon escient, la mode du native advertising. Hein, il y a de très très fortes potentialités hein, là-dessus. Bon, ce qu'on voit malheureusement un peu trop aujourd'hui, je vois des choses que sur le Figaro, mais enfin, on le voit sur beaucoup d'autres contenus, j'ai vu sur le Daily Mail ou autre, ça me choque à la limite un peu moins sur le Daily Mail que sur le Figaro, mais je dirais, c'est... Je sais pas si j'ai gardé mes... Oui, j'ai gardé mes...
comment dire, mes animations. Bon, voilà, voilà un peu ce qu'on a avec le native advertising. On a un contenu qui n'est pas toujours savoureux. Et encore, je vous ai passé les contenus sexistes avec les 10 célébrités qui ont les plus gros seins ou qui sont les ou qui ont été les plus déformés par le bistouri, ou j'en passe des meilleurs. Tout ça peut être conçu comme de la pollution, mais je dirais, à la limite, peu importe. Pour moi, c'est une chance. Plus le contenu est mauvais, et Dieu sait qu'il y en a du contenu de très mauvaise qualité, y compris en business to business, plus il va être standardisé, plus il va être court et de façon, je dirais, standardisée, toujours avec le même nombre de mots, toujours en parlant à peu près de la même chose, toujours en étant sur le même modèle, toujours en listant les mêmes sempiternels, cinq machin choses pour, etc., ou avec un ton de voix standardisé ou robotisé. Eh bien, plus vous allez avoir la chance de vous différencier avec un contenu de qualité qui vienne élever le débat. Plus la publicité va s'insinuer partout et plus on va vous faire croire que, comment dire, on va pouvoir transformer la publicité en contenu ou la contenu en publicité, ce qui est un peu le principe du native advertising, encore une fois, si c'est bien utilisé et à bon escient. Et vous pouvez faire véritablement des choses très intéressantes avec le native advertising. Hein. Mais plus vous allez abaisser le niveau et faire croire que vous pouvez faire prendre des vessies et des lanternes et tromper le consommateur, plus vous allez avoir un jeu de chat et de souris, de gens qui s'échappent et qui essayent de bloquer un contenu qui est non désirable. La plupart s'en fichent, je ne cautionne pas. Non, je ne cautionne pas non plus. Hein, c'est exactement ce que je dis, hein, les putaclics, moi je ne connaissais pas cette expression, c'est intéressant. Justement, c'est pas le sujet. Justement, vous pouvez plus vous y avoir du putaclic et plus vous avez l'occasion de vous positionner avec du contenu de qualité. Et surtout contenu de qualité qui peut, je dirais, qui a aussi une durée de vie sur Internet, comme ailleurs d'ailleurs. Un contenu qui vieillit un peu, mérite d'être remis au goût du jour, des contenus qui ont disparu méritent d'être retraités, etc. Plus le contenu est bas de gamme et se nivelle vers le bas, plus il y a des opportunités pour aller en profondeur. Ce sont des hiérarchies qui font pression sur les marketeurs pour générer des clics. D'accord, là je comprends pas trop, ça sent un peu la théorie du complot. Je pense pas qu'il y ait de hiérarchie qui fasse pression sur quoi que ce soit. Il y a, je dirais, la volonté de générer des clics, pour des fois générer des clics, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Effectivement. Là, d'ailleurs, un truc très amusant, c'est pas la première fois que je le cite, quand on discute avec comment il s'appelle mon ami Grégory Pouy, hein, qui est aussi blogueur sur et qu'on discute de blog et de visite, ben, en fait on a un petit peu la même réflexion. On va très très peu voir nos statistiques, ce qui n'est pas bien d'ailleurs. Je m'y suis mis avant-hier, j'ai réparé mon Google Analytics qui était complètement cassé. Mais en fait, c'est vrai que les blogueurs, entre guillemets, influents, j'ai horreur de ce terme, mais disons qu'ils ont une certaine présence, n'hésitent pas en fait à mettre, je vais y revenir dans une seconde, non pas à écrire pour les moteurs de recherche et essayer de faire de la visite pour faire de la visite, parce que ça, finalement, bon, ça amuse certains marketeurs, mais à essayer de rentrer dans le qualitatif et dans la profondeur et dans l'échange. Il y a moins de visites? Bon, qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fout. C'est pas tellement le sujet. Je ne parlais pas de tous les marketeurs, de plus en plus en différents clics qualitatifs, c'est justement la mission des marketeurs d'expliquer la différence et hiérarchie. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord qu'il y a un gros travail à faire pour expliquer aux hiérarchies ce travail, et c'est bien pour ça que nous sommes là devant vous pour vous l'expliquer. Je pense qu'on arrive à une sorte de consensus, a priori, on verra tout à l'heure dans les questions, hein, on pourra en discuter, mais il n'y a pas de dictature de la mauvaise qualité, il n'y a pas de dictature de ces putaclics, j'aime bien l'expression, merci, je le retiendrai, Julien. Mais effectivement, au contraire,
une quantité de chances pour pouvoir passer à l'étape supérieure et vous différencier. Et c'est là véritablement que les bons marketeurs vont se retrouver. Comment faire un livre blanc qui n'est pas tout blanc? Alors on le sortira lundi d'ailleurs, un livre blanc qu'on sort avec James Group sur les big data. Et il y a beaucoup de livres blancs sur les big data, on en a déjà écrit 3 nous sur ce sujet-là. Et il nous est venu une idée, tiens, si on écrivait par exemple un livre noir des big data, non pas pour expliquer ce qu'il faut faire, mais pour expliquer ce qu'il faut pas faire, parce qu'on s'est aperçu sur le marché, et c'est pas uniquement un gimmick, c'est parce qu'on croit véritablement à ce qu'on a écrit, il y a un véritable fond derrière sur la mode des proof of concept qui sont lancés dans les big data et qui sont exactement la mauvaise route pour lancer les big data. Et on explique pourquoi. Et puis après, on monte le livre blanc. Voilà une petite astuce. C'est ce qui ne veut pas dire qu'il faut la répliquer, hein, ce qui veut dire qu'il faut à chaque fois essayer de trouver une astuce qui soit à la fois sur le fond et sur la forme, pas seulement sur la forme. Alors le deuxième point qui nous paraît important, ce sont les médias sociaux en reconfiguration. Alors là, c'est un sujet qui est hautement polémique. Tout le monde a polémiqué, d'ailleurs on a écrit aussi sur ce sujet-là, de savoir si Mia Tawile dans mon équipe a écrit un bel article sur le blog anglais, donc c'est blog visionarymarketing.com et le point fr étant le blog français visionarymarketing.com. Je reviendrai sur la connotation négative et peut-être effectivement peu gêné peut-être, mais au moins la remarque. Le tout justement étant de faire en sorte que le livre blanc soit, le livre noir annonce le livre blanc et qu'il ne soit pas justement perçu comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose d'amusant. Mais vous allez de toute façon, à partir du moment où vous allez sortir du cadre, mode, vous allez toujours forcément déranger quelques personnes. Alors ça, c'est normal. Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Bien sûr que c'est l'idée, c'est d'amener toujours le livre blanc et de toujours rester positif et de toujours finir sur une note positive. Voilà. Alors, revenons sur nos médias sociaux. Beaucoup de buzz sur la disparition de Twitter. Alors, je vais vous mettre à l'aise tout de suite là-dessus. Twitter ne disparaîtra pas pour une bonne et simple raison. Ils ont 412 ans de cash dans leur coffre. 412 ans de cash. Donc, c'est-à-dire, en fait, ils sont dans une situation un peu comme Yahoo, où ils sont un peu en perte de vitesse, ils sont un peu moribonds. Enfin, on va nuancer un peu. Disons, ils sont clairement en perte de vitesse, ou du moins, ils n'arrivent pas, ils sont dans une situation où ils sont un peu tirés dans le pied, parce qu'en fait, ils se sont mis dans une situation où ils sont exposés face à leurs actionnaires, et donc les actionnaires attendent une chose, c'est un retour sur investissement, et ce que comprennent les actionnaires, mais là, les gens qui n'ont parlé de convaincre les hiérarchies, je les attends, parce que pour expliquer ça à des actionnaires, il va falloir se lever assez tôt. Ce que les actionnaires veulent, c'est un retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est de la publicité. Ben, c'est comme ça que ça se traduit, malheureusement, on peut le déplorer, mais c'est comme ça que ça s'est traduit dans les médias sociaux récemment. Facebook a réussi dans ce domaine, et Twitter a échoué. Et donc Twitter essaye de sortir de cette impasse en inventant des nouvelles choses, en bidouillant, en... Plus des fois avec succès parce qu'on en parle et des fois avec un peu moins de succès. Ce qui est sûr, c'est que Twitter a trouvé une place très à part sur le marché des médias sociaux avec une visibilité autour de l'événementiel et du journalisme et du blogging et de l'influence. Mais justement, en parlant d'influence, ils ont fait quelque chose qui est assez stupide, c'est qu'ils ont fait disparaître le décompte des tweets dans les articles. Donc vous pouvez regarder, allez voir sur mon blog, mais c'est vrai sur tous les blogs. Il n'y a plus qu'une seule façon de savoir si vos articles sont partagés par Twitter, c'est de savoir si, d'utiliser une petite application qui s'appelle BuzzSumo, qui est pas d'ailleurs tout à fait sans faille. Et là, vous verrez si vos articles sont partagés. Alors j'ai pris quelques exemples, c'est pas complètement statistique, hein, je sais... pas scientifique, mais ça donne une bonne idée de la réalité, parce que
C'est quelques exemples pris au hasard, mais qui donnent une bonne idée de la tendance. Tout d'abord, c'était un premier article que j'avais publié sur e-marketing en 2014, qui avait été pas mal vu, qui s'appelait « Les médias sociaux valent mieux que ce que vous en faites ». Et là, on avait un bon partage sur LinkedIn, qui commençait à monter déjà en charge en termes de partage, mais surtout, beaucoup d'interactions sur Twitter. En fait, c'est assez représentatif de ce qu'on avait jusqu'il y a quelques mois, jusqu'au mois de novembre, en fait. Jusqu'au mois de novembre, on avait à peu près pour un partage sur LinkedIn, à peu près 2,5 sur Twitter. Et puis, est arrivée cette nouvelle règle de Twitter en mois de novembre. Donc là, je vais prendre un autre exemple. C'est un blog que j'ai écrit sur orangebusiness.com sur la gestion de projet. Et là, qui a fait d'ailleurs beaucoup plus de visites, que je crois qu'il y a près de 1000 partages, cet article. Et donc cette tendance, on la voit continuer de se poursuivre. Hein, quand je vous dis que les blogs sont pas morts, je vous mens pas. Hein. Ces blogs-là, ils ont 9 ans, ils sont inscrits dans la durée. C'est des blogs qui, aujourd'hui, vraiment donnent vraiment beaucoup de visibilité. Donc là, on arrive à complètement inverser la tendance. On arrive à 250 partages sur LinkedIn et 23 partages sur Twitter, alors que leur compte Twitter, pareil, que j'ai créé il y a 7 ou 8 ans, maintenant, il est énorme. Il doit faire à peu près, pour du B2B, plus de 100 000 followers. Voilà, le suivant. C'est l'article de The Buzz qui est au milieu. C'est un article sur les big data. 400 partages sur LinkedIn, 130 partages sur Twitter. Donc on retrouve à peu près les mêmes métriques. Et puis on recommence avec un article que j'ai écrit sur mon blog récemment. Donc on voit, il y a clairement une inversion, une baisse de partage. Mais c'est encore très difficile de dire si ça pénalise Twitter, parce que c'est très irrationnel en fait. Ce que je remarque, c'est que par rapport à mes visites sur Visionary Marketing au total, on a à peu près 8%, enfin pas tout à fait 8% de visites qui viennent par les social media. C'est pas encore complètement, je dirais, un apport de visites renversant, hein, puisqu'il reste encore une grosse part des visites qui vient largement par les moteurs de recherche et par l'emailing, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais bon, ça commence à devenir largement significatif, et surtout, c'est un partage de mémorisation qui est très important. Et là, c'est en mesurant les clics, par contre, qui sont réalisés, et c'est des référeurs, hein, qui arrivent sur mon site. On arrive, alors selon les stats et selon la période, soit 40, 30, 15, soit 30, 30, 30. Donc on reste, Twitter est en perte de vitesse, parce que c'était très largement 80% de mes apports de visite jusqu'à il y a encore peu de temps. Mais ça reste encore positif. Alors qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'est difficile à dire. Mais ce que je pense, c'est que ça, il y a quand même quelques conclusions qu'on peut en tirer. D'une part, que les fondamentaux du bouche à oreille sont très importants et que Twitter reste un outil. Je disais ça en 2009, les gens me prenaient pour un fou. Je disais Twitter un jour pourra disparaître. Les gens me disaient, il est complètement taré celui-là. Non, c'est pas. Twitter est un outil. MySpace est passé à la trappe. Google Plus va passer à la trappe, quoi que l'on dise. Où il est peut-être déjà passé à la trappe, en fait, à mon avis, il y est déjà passé, même contrairement aux statistiques qu'on voit. Mais les fondamentaux du bouche à oreille restent là, et ce qu'on ne partage pas par les médias sociaux, on le partagera en dehors des médias sociaux. Donc il ne faut pas négliger non plus les partages qui se passent en dehors des médias sociaux. Après tout, les rumeurs n'ont pas attendu les médias sociaux pour se propager. Donc ça veut dire aussi que plus de stratégies online sont offline, notamment en B2B. Je pense qu'il faut absolument systématiquement prévoir des stratégies d'événementiel en parallèle de vos actions social media. Et puis de revenir aussi aux fondamentaux de l'écriture, ne pas se préoccuper. Moi, je ne me fais pas trop de soucis des posts qui vont faire plus de 140 caractères, mais qui vont pouvoir faire jusque 1000 caractères, on s'en fout, j'écrirai jamais de blog dans Twitter, bon, peut-être que je le ferai pour voir ce que ça donne, mais je pense pas que ce soit vraiment là, que ce soit vraiment dans Twitter
qu'on retrouve nos contenus. Troisième enjeu, premier enjeu donc le content shock, sortir du lot. Deuxième enjeu, le social media. Troisième sujet, c'est les invariables. Et là, je vais vous renvoyer à l'ineffable Web Pages That Suck, qui reste toujours aujourd'hui, à mon avis, notamment dans ces checklists, un bon outil de travail qui permet d'analyser les sites et d'analyser leur qualité. Et je vais revenir sur un des termes qu'ils utilisent. Ils parlent de contenu même à l'héroïne, ils sont un petit peu plus provocateurs. La question, c'est de savoir si votre contenu est véritablement un contenu addictif. Et c'est ça, véritablement, qui fera que les gens reviendront sur votre site. Et savoir aussi que le contenu est toujours plus important que le design. Alors attention, je n'ai pas dit que votre site doit être moche. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, c'est bien avoir un site flat design, c'est même obligatoire. Et il faut qu'il soit responsive et tout ça, et ça se discute même plus, c'est obligatoire. Même si en France, on est en retard sur le mobile, mais bon, c'est important. Mais le design n'est pas plus important que le contenu. Hein, il y a quelques années, j'avais un site qui m'embêtait un peu parce qu'il était très visible, mais il y avait beaucoup de vieux contenus à l'intérieur. J'ai voulu le tuer, c'était très simple. J'ai mis une superbe interface flat design, j'ai enlevé le contenu, poum, j'ai tout flingué en très peu de temps. Et pourtant, c'était un site qui faisait 2000 visites par jour. C'est très très facile de tuer un site. Donc il faut se poser la question, quel est le contenu qui pourrait forcer mon visiteur à en venir une fois, deux fois, trois fois? Et pour cela, c'est dans les vieux pots qu'on fait les bonnes soupes. La franchise, la sincérité, l'urgence de problèmes. Il ne faut pas négliger l'urgence des problèmes, encore une fois, en B2B, parce que les acheteurs sont désespérément à la recherche de solutions, et c'est là aussi que vous allez pouvoir vous adresser à eux. L'actualité, la profondeur et la controverse, et l'usage. Je reviens à quelques fondamentaux qui ont été énoncés par Seth Godin. Le quatrième point, c'est qu'à mon avis, il faut... j'ai pas compris sur les meilleures confitures. C'est dans les meilleurs pots, c'est ça ? Le quatrième point, c'est que il faut écrire pour les humains. J'en ai un petit peu marre de voir, même si le SEO c'est important, hein, pareil, ils l'ont fait depuis 20 ans, donc je ne vais pas dire le contraire. Écrire pour les humains et arrêter d'écrire pour les moteurs de recherche. C'est pas le moteur de recherche qui partage, c'est pas le moteur de recherche qui lit. Et ce qui est important aussi, c'est que, encore une fois, dans une démarche de bouche à oreille, c'est que les utilisateurs vont passer le contenu de l'un à l'autre, et c'est pas parce que vous aurez optimisé votre texte de façon débile pour un moteur de recherche que ça va bien se passer. D'ailleurs, je crois je commence à avoir beaucoup de clients qui reviennent vers moi après avoir fait des démarches de SEO à deux balles, et force est de constater que ça fonctionne pas, ce genre de truc. Je pense que de toute façon, très très bientôt, ça fonctionnera plus du tout, parce que Google va passer à l'intelligence artificielle pour modifier son algorithme au jour par jour, et que, l'optimisation technique est importante, mais elle est importante, mais elle n'est pas fondamentale. C'est pas le sujet principal. Si vous avez une optimisation technique sur un contenu pourri, vous aurez un contenu pourri, et vous n'aurez pas de partage, vous n'aurez pas de bouche à oreille. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc il faut bien sûr optimiser pour vos moteurs de recherche d'un point de vue technique, mais il faut surtout, j'en avais relevé à l'époque une dizaine, ça doit être quelque part sur mon blog dans le fin fond, une dizaine de points qui sont les points focaux d'un marketeur sur la qualité de son contenu, et son contenu doit être pertinent. C'est 10 points de base qui sont des points de bon sens. Choisir un bon titre, c'est pas uniquement pour parler au moteur de recherche. On choisit un bon titre parce que si déjà on n'a pas choisi un bon titre, ça veut dire qu'on ne sait même pas de quoi on parle. Voire on essaye de se référencer sur quelque chose dont on ne parle pas. Donc revenir à ces fondamentaux et avoir un contenu pertinent, effectivement, comme vous dites, c'est exactement le sujet. Le cinquième point, c'est de redécouvrir, alors celui-là, je suis un peu fatigué de le présenter, parce que je pense que c'est encore trop peu utilisé, on considère encore trop cela comme quelque chose de difficile, alors que c'est là véritablement l'intérêt et le nœud des techniques marketing dans ce domaine, c'est de redécouvrir le côté amateurisme et UGC. C'est souvent avec
Frédéric Canvet de Conseil Marketing, on dit, on répète souvent dans les interviews, n'essayez pas de trop lécher, il faut essayer de faire de la qualité, mais pas de faire du trop qualitatif, parce que quand vous faites du trop qualitatif, du coup, vous perdez ce petit côté d'amateurisme qui fait que vous êtes sympathique et qu'on a envie de revenir vous voir. Vous n'êtes pas une machine. Donc, il faut essayer d'oublier un petit peu ce tone of voice et de revenir sur ce putain, ce terme d'amateur, celui qui aime et celui qui a véritablement une passion pour ce qu'il fait. Donc il ne faut pas essayer de peaufiner, il faut sortir de cette vue de grande entreprise. Attention, j'ai mis grande entre parenthèses, parce que je l'ai vu beaucoup dans des petites entreprises, j'ai même des fois vu plus dans des petites entreprises que dans des grandes, ce qui est paradoxal. Mais d'avoir envie de trop lécher, de faire quelque chose de trop parfait. Je reviens sur ce que je disais par rapport à l'importance relative entre le contenu et le design. Et donc baisser un peu son degré d'exigence pour réussir dans le digital sans tomber dans le trash qu'on a découvert tout à l'heure, enfin découvert malheureusement pas tout à l'heure, mais qu'on a évoqué tout à l'heure sur le native advertising. Donc de revenir sur cette histoire de qualité de contenu versus l'emballage qui est très important et essayer d'éviter le contenu parfait. Ensuite, c'est de sortir ses experts du placard. Ça peut être aussi d'ailleurs jouer, ça peut être ses experts, ça peut être ses clients hein, d'ailleurs, hein, si on parle en B2B, ou ça peut être ses partenaires. On fait ça avec OBS en ce moment, qui est maintenant devenu mon client. Hein. On fait des webinaires partenaires où on met en valeur les partenaires d'OBS qui viennent présenter des webinaires dans de WebIKEO. D'ailleurs, vous trouverez en ligne, on a quelques-uns sur comment bien, par exemple, quelques conseils pour bien mettre en place vos partenariats. Et puis après, vous avez d'autres webinaires de contenu sur les big data, sur le cloud computing. Donc, il faut sortir les experts maison du placard. Parce que c'est ceux qui apportent la véracité du contenu, c'est ceux qui vont apporter la sincérité. Hein, apporte. C'est pour ça que j'aime bien aussi montrer la photo de Dickens, parce que j'aime bien aussi... c'est quelqu'un de très passionné qui faisait certainement son contenu quand on regarde... la façon dont il écrit, c'est très peu conventionnel, c'est très répétitif aussi. Donc il fait certainement tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop long, c'est trop répétitif, c'est trop bizarre, c'est trop tout ce qu'il ne faut pas. Et en même temps, c'est lui, c'est très original et c'est très vrai. Et du coup, le succès de Dickens, il ne se dément pas, même 100 ans après. Donc voilà, revenir à ce user-generated content, cette vraie passion qui vient... Qui va faire en sorte que votre contenu va sortir du lot et vous sortirez de ce content shock. Je pense que donc notre métier d'agence, bon pour moi ce métier d'agence il est assez récent puisque ça fait 2 ans que je le fais, on accompagne maintenant une quarantaine de clients sur les contenus et sur la stratégie digitale. Mais c'est dès le départ j'ai conçu mon rôle un peu comme ça. Je me suis dit, parce que c'était un besoin que je sentais quand j'étais client, mais très souvent, j'allais chercher de la part des agences, je n'ai pas toujours trouvé d'ailleurs ce que je cherchais, des fois je l'ai trouvé, des fois je ne l'ai pas trouvé, de chercher de l'accompagnement plus que simplement des solutions clés en main où j'ai juste à payer et je trouve tout qui me tombe cuit dans le bec. Et je pense que les agences justement vont changer leur rôle, en plus devenir accompagnateur, devenir accoucheur de contenu généré par l'utilisateur. Et ça va être certainement un challenge en termes de business model, hein, ça l'est. Mais c'est possible, on l'a déjà fait, on l'a déjà montré, c'est possible de le faire en accompagnement et de faire résonner le contenu du client aussi différemment. Voilà. Peut-être aussi de savoir utiliser... j'ai mis les blogueurs, les acteurs du web, j'aime pas trop ce terme d'influenceur, je trouve toujours aussi manipulateur et je n'aime pas du tout. Voilà pour à peu près rester dans les temps ce que je peux vous dire sur ces 5 enjeux. Je suis content si vous avez pu vous plaire et vous inspirer. Je vous invite également... à lire nos contenus sur en ligne et puis ce qui me plairait bien si vous êtes d'accord c'est de répondre au petit sondage que voilà. Donc je vous ai mis un sondage en ligne
Hein, je vais vous l'afficher comme ça, vous le verrez. Attendez, je vais repartager mon écran. Voilà, vous pouvez voir. Non, je vous le voyais pas. Pourquoi je ne le vois pas? J'ai un petit souci de partage d'écran, ça marchait tout à l'heure, ça marche plus. Ah si, d'accord. Non. Non, si, bon, j'arrive pas à partager l'écran, mais si vous pouvez voter sur ce questionnaire et voter sur vos priorités, ben, ça serait sympathique. Merci Raymond. Voilà, si vous pouvez voter donc bit.ly/webinaire, je vais essayer à nouveau de partager mon écran. Désolé, c'est un petit souci technique. Ça fait quitter la page, ouais, il faudrait ouvrir une autre page aussi, désolé. Ouais, c'est mal gaulé ça. Bon, ben, tant pis, on n'aura pas vos rôles. Non, ça va pas, non, il veut pas partager. Désolé pour ce petit problème technique, on essaiera de trouver une solution pour la prochaine fois. Et vous pouvez voter aussi par vos mobiles. Je verrai avec Webikeo pour pouvoir mettre la présentation en ligne. Et voilà, n'hésitez pas à interagir sur Twitter ou ailleurs. Et voilà, allez, mettez exact, vous avez raison, j'aurais pu penser à ça tout de suite. Je vais le remettre ici. Excusez-moi, j'ai fait des fautes de frappe. C'est webinaire, voilà, relativement simple. Merci à vous toutes et à tous. Peut-être encore voter un peu, je vais laisser le lien. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour nos prochains webinaires. Le prochain c'est le 6 avril sur le télétravail. On viendra sur la réalité des chiffres, sur les polémiques. Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques récemment soulevées, notamment par d'anciens syndicalistes, pour dire que le télétravail ne représentait pas les chiffres qui étaient donnés, même ceux qui sont donnés par le gouvernement. Voilà, donc si vous pouvez répondre au SurveyMonkey, je laisse le lien actif pour tous les 70 qui sont encore en ligne. Ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks, parce que j'ai déjà ceux de l'autre jour qu'on a eu le 29 janvier, mais si je peux en avoir plus, c'est intéressant d'avoir vos retours là-dessus, sur vos priorités, vos 5 enjeux. Bon, on a déjà 31 réponses, c'est pas mal quand même, c'est bien. Alors pour l'instant, c'est même chose que sur l'autre, à peu près la même chose que sur l'autre questionnaire que j'avais fait, c'est toujours sortir de l'eau qui reste absolument prépondérant. Merci Julie. Merci Barbara. Merci de vos réponses, c'est très sympa. Ça va bien nous aider et ça permet de voir également. Mais je vois que tous les enjeux sont également important pour vous, à peu de choses près. Donc, ce qui tendrait à prouver que j'ai pas tapé à côté de la plaque, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu plus forts que d'autres. C'est marrant, je vous vois, on ne s'est pas tout à fait compris sur la hiérarchie. Si, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Il y a un enjeu très fort de résister à la pression du chiffre qu'on comprend. C'est quelque chose que j'ai rencontré. Vous savez, j'ai une dizaine d'années d'expérience en tant que directeur digital, donc j'ai vu ça de nombreuses années. C'est dès qu'on cherche à montrer des statistiques qui sont un peu complexes,
ben forcément, il n'y a plus personne qui suit, on part en patinage artistique. Donc forcément, on revient très très souvent sur des statistiques qui sont assez basiques. Et la statistique du clic, et je parle même pas de la page vue, et encore moins des autres statistiques encore plus foireuses qui existent pour pouvoir monter artificiellement le nombre de visites. Mais ces statistiques-là, elles sont très facilement compréhensibles par les gens qui sont loin du domaine. C'est bien tout le sujet du master dont je m'occupe à Grenoble École de Management. Hein. C'est notre rôle, justement, c'est d'essayer de faire monter en compétence, non pas seulement des techniciens du web qui sont dans leur coin, dans leur silo, à faire du web marketing et que personne ne comprend. Parce que ça, malheureusement, il faut avouer que depuis la crise de 2002, ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y avait un peu le techos dans un coin qui faisait son truc, on ne comprenait pas. Et puis quand il fallait faire de la stratégie web, alors on donnait ça à quelqu'un de sérieux, parce que là, on ne va pas donner ça à quelqu'un qui connaît Internet. Et la vraie question, c'est de savoir comment on va pouvoir faire le lien entre la connaissance Internet, la connaissance du digital et la connaissance de la stratégie. Donc, je vous mets le lien vers le blog de notre master. Bon, si vous tapez Digital Business Strategy, parce que le master est en anglais, et donc notre rôle, c'est justement de former, on forme tous les ans à peu près une quarantaine de personnes, des futurs managers, voire des futurs directeurs. Bon, certains, il y en a qui sont même déjà directeurs, et d'autres qui évoluent vers le poste de CDO, CDMO, des choses comme ça. Et donc la vraie question, justement, c'est de savoir comment on peut arriver à placer des gens qui soient compétents dans les domaines techniques à un niveau stratégique sans qu'ils soient considérés comme, entre guillemets, des techos. Bon, parce qu'en France, malheureusement, quelqu'un qui a une compétence technologique, c'est quelque chose de péjoratif. Moi qui ne suis pas un technicien, hein, qui suis plutôt un homme de marketing, pour moi, quelqu'un qui a une compétence technologique est quelque chose de valorisant. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un plus, c'est-à-dire qui s'est intéressé, qui a une double casquette, qui a une compétence stratégique et en plus une compétence technique. Moi, je ne vois pas, peut-être je suis un petit peu, peut-être été déformé par mes années dans les pays anglo-saxons, mais c'est quelque chose qui me paraît évident. Je pense que ça, c'est en train de changer, on est en train de comprendre ça. Mais on n'a pas encore véritablement les formations pour faire ça et c'est ce qu'on est en train de faire. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain, je comprends votre désarroi parce qu'il y a des moments où vous allez montrer des choses qui ne seront pas comprises, qui ne seront jamais comprises. Moi, une des astuces, et je dirais, ça ne sert à rien de ruminer et de vous attrister là-dessus, ça arrivera toujours. Il y aura toujours des gens qui resteront incompris, il y aura toujours des choses que vous faites qui ne seront pas comprises. C'est indéniable, c'est inévitable. Maintenant, il y a des astuces pour essayer de basculer, basser au-delà de ça. Moi, ce que j'ai remarqué plein de fois, c'est que j'avais un. Tout au long de mes années de directeur digital, je l'utilise encore souvent, j'avais un adage. Et je disais toujours, la meilleure communication interne, c'est la communication externe. Ça ne plaît pas à tout le monde. Des fois, ça fait grincer. Mais c'est ce qui est le plus efficace. Quand je voulais expliquer mes statistiques web chez Orange, quand je faisais les statistiques social media, j'arrivais pas véritablement à avoir des gens qui s'intéressaient à ça. Elles n'étaient pas parfaites, mes statistiques. Je pouvais même vous expliquer pourquoi elles étaient foireuses. Mais au moins, il y avait un essai. On essayait de faire un tableau de bord. C'était pas génial, mais on essayait de faire quelque chose et d'essayer d'expliquer les choses et de trouver des insights. Bon, bah, j'arrivais pas à trouver l'auditoire. Je montrais les choses, mais j'avais pas ça, comme on dit, the penny doesn't drop. Ça arrive comme ça. Il n'y a pas besoin d'être. Comment dire, de nourrir un ressentiment envers quiconque. C'est simplement, bon, il n'y a pas l'auditoire pour recevoir ce genre d'informations. Donc je l'ai mis à l'extérieur. Comme je l'ai mis à l'extérieur, du coup, ça a donné une grosse visibilité. Et à l'époque, on commençait seulement à parler de ROI de social media. Et du coup, forcément, en interne, on s'y intéressait beaucoup plus, puisqu'on le voyait à l'extérieur et ça intéressait les gens à l'intérieur. Alors vous prenez mais comment tenir ce discours face à la direction de l'objectif et la génération de trafic pour générer des revenus? Ben, c'est ça, c'est très 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 difficile. Ce que je dirais, c'est
Alors surtout, après, je dirais ça dépend si vous êtes en B2B ou en B2C. Si vous êtes en B2C ou si vous êtes en bas de marché B2B, je dirais si vous avez des objectifs de... je vous en prie, c'est un plaisir. N'hésitez pas à échanger, hein, on est là pour ça. Hein. Si vous avez un objectif de revenu, je dirais, n'essayez pas de lier des méthodes de soft marketing avec du hard marketing. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Parce que le bas de marché B2B, c'est tout ce qui est bas de PME, bas de marché PME, très petite PME, TPE, et produits B2B peu chers, jusqu'à moins de 100 euros, etc. Parce que du coup, vous allez avoir, sur tous ces marchés-là, vous allez avoir la possibilité de faire du marketing de performance très performant. Bah, avec mes... Je suis associé avec Affinity, donc je ne vais pas faire de publicité, mais un petit peu quand même. Parce que Affinity fait du marketing à la performance. Quand on a besoin de faire du marketing à la performance, en général, là, je prends un peu de recul et je dis, moi, ça, je ne peux pas vous le fournir parce que je ne peux pas m'engager sur le fait que le blog va vous apporter du chiffre d'affaires. Il va vous apporter du chiffre d'affaires. C'est indéniable. Il va le faire. Ça va vous arriver le jour où vous y attendez le moins. Et puis, vous allez avoir, je ne sais pas, boum, 10 000 ou 20 000 ou 30 000 ou 100 000 euros qui vont vous tomber dans le bec. Mais par contre, ce qui est vrai, hein, ça m'est arrivé plein de fois, hein. Mais par contre, vous n'aurez jamais la possibilité de dire, si j'écris cet article-là, je vais générer 10 000 euros. Ça, vous ne pourrez pas le faire, vous allez vous tirer dans le pied. J'ai connu des gens qui l'ont fait, ils se sont tirés dans le pied et ils ne sont plus là pour en parler. Donc il ne faut pas le faire. Si vous êtes dans le bas de marché et dans le B2C, et que vous avez un objectif de revenu, dans ce cas-là, il faut que que votre politique de contenu elle soit qualitative tout bêtement pour respecter un certain niveau aussi de qualité par rapport à votre marque. Enfin, là après je dis ça, je dis rien, hein, mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais aussi parce que de toute façon je pense aussi que le contenu sera apporteur de performance et que ce contenu performance, après vous allez pouvoir le lier avec du marketing de la performance. Mais surtout vous n'allez pas vous engager à la performance sur du soft marketing, sinon vous allez vous tirer dans le pied. Sur le soft marketing, restez soft. Et là, vous êtes dans des démonstrations qui sont mathématiques. Si vous faites des démonstrations mathématiques, vous allez tirer dans le pied. En général, alors, petite astuce, mais ça je l'ai mis dans plein de mes bouquins, j'ai donné plein de petites astuces comme ça. Quand vous avez un patron qui vous demande à quoi sert le ROI d'un blog, par exemple, vous proposez lui d'écrire dedans, et vous n'aurez plus la question. Parce qu'immédiatement, il va comprendre que c'est une soft skill, que lui, il va pouvoir faire un marketing et une vente douce à l'intérieur d'un système qui est long et qui est un système de nurturing, comme on dit en mauvais français, de mise sous couveuse de ses clients, et que c'est quelque chose dont qu'il a besoin de faire, mais qui n'est pas forcément lié directement à un chiffre d'affaires. Ceci étant, tous les bons blogueurs le savent, moi je peux vous passer la liste des articles et vous dire cet article-là, il m'a rapporté tant de milliers d'euros, tant de dizaines de milliers d'euros, tant de vingtaines de milliers d'euros. C'est tout à fait faisable. Hein. C'est ça, je l'avais vu faire par Chris Brogan il y a 4-5 ans. Et maintenant, je peux vous le faire. Ça marche très très bien. Donc je vais vous dire, moi c'est à peu près 50 ou 60% de mon business qui passe par là. Mais même ici, jamais je me risquerais à faire un tableau au bureau en disant oui, je peux le faire, tel article a donné tel truc, mais il y a aussi beaucoup plus d'articles qui n'ont jamais rien donné. Mais ça n'empêche que ces articles-là, ils étaient importants. Et ils ont été importants aussi pour d'autres raisons. Peut-être parce qu'ils m'ont introduit auprès d'une personne, ils m'ont fait connaître auprès d'une personne, ils m'ont permis d'avoir un rendez-vous avec une autre personne, ils me permettent de faire de l'outbound marketing aussi. Parce que ça, c'est un truc sur lequel je ne suis pas d'accord avec certains experts en inbound, mon ami Fred Cavazza, que j'adore et que je respecte, c'est quelqu'un que j'adore. Mais je sais quand je ne suis pas d'accord avec lui, lui, il ne fait pas d'outbound marketing. Il dit, moi, je ne vais jamais voir de clients, par exemple, c'est les clients qui viennent me voir. Alors bien sûr, aussi, il y a des clients qui viennent nous voir, mais je ne suis pas d'accord. Le inbound marketing, et ça je dis, doit faire aussi online et offline, le inbound marketing doit vous permettre aussi d'aller voir des clients à l'extérieur. C'est un outil qui vous permet de mettre un pied dans la porte, mais du coup, c'est beaucoup plus facile pour prendre un rendez-vous. C'est beaucoup plus facile parce que vous avez établi une notoriété, un savoir-faire, une légitimité sur le domaine. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et ça aussi, la qualité du contenu va vous aider à établir cette légitimité. Pour moi, c'est vraiment important.
Hein, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu, Julien. Les PME sont un modèle de retour sur investissement. Dans ce cas-là, je vous dirais. Alors moi, je vais vous dire ce que l'expérience que j'ai eue dans les PME sur ces sujets-là, c'est que si vous, dans ces cas-là, je présente toujours, si vous voulez, un retour qualitatif, quantitatif sur un résultat. Dans ce cas-là, je présente toujours une démarche de content marketing. Ça a plusieurs avantages. D'abord, ça répond à la question. Vous mettez tant, vous avez tant. On n'a rien pour rien. Hein. C'est, malheureusement, c'est. Enfin, je veux dire, si, le seul endroit où on n'a rien pour rien, enfin, où on a quelque chose pour rien, c'est le blog, justement. Parce que c'est là où c'est même d'ailleurs le problème du bouche à oreille. Le problème du bouche à oreille, c'est pas qu'il est trop cher. Le problème du bouche à oreille, c'est qu'il n'est pas assez cher. Quand vous allez montrer à votre patron de PME ce que coûte une opération de marketing à la performance, il va tomber de sa chaise. Nous, on en a fait une récemment pour une toute petite entreprise. Ben, ils ont vite compris qu'il fallait qu'ils dépensent minimum de 30 000 euros pour avoir un minimum de résultats. Ils ont lancé la première salve, ils sont complètement viandés. De leur faute d'ailleurs. Donc ils ont mis un moment avant de le reconnaître. Et puis au bout d'un moment, ils ont reconnu. Donc ils ont ça fait déjà 60 000 euros. Mais là, ils ne se posent pas, et je peux vous dire, pourtant, le premier salve complètement loupé. Mais ils savent qu'ils n'auront rien sans rien. Ils seront obligés de le faire. Donc la seule façon par rapport à votre patron, c'est de le mettre en face à la réalité du terrain. Si vous voulez, faire un blog comme des gens comme Octo, comme SIA Conseil, comme nous, comme Business et Décision ou d'autres, c'est des démarches qui sont relativement peu chères. Elles sont bon marché. Parce que à la fin, je dirais surtout si vous internalisez pas mal de choses, vous prenez un accompagnement pour vous aider peut-être sur la conduite du changement, mais c'est vous qui faites les articles et au bout d'un moment, vous allez voir, c'est vous qui allez établir cette compétence. Cette compétence, elle n'est pas seulement destinée à remplir des pages. Si c'était uniquement destiné à remplir des pages, je ne ferais pas le blog. Ça ne sert à rien. Et pourquoi il me fait chier à faire des livres aussi? Vous croyez que c'est marrant de faire un bouquin, ça prend un an. Mais quand je fais un bouquin, si, après j'envoie, je fais appeler par quelqu'un des personnes qui sont dans ma cible, ce qui me permet aussi, c'est pour là que je ne suis pas d'accord avec Fred, ça me permet de choisir aussi mes clients et de cibler mes clients. Et on a un rendez-vous tout de suite, parce qu'il y a le blog, parce qu'il y a le site, parce qu'il y a les contenus qui existent, ça établit la compétence, ça établit la crédibilité. Et c'est ça qui est important. Et donc ça n'a pas de prix. Hein. C'est comme le gars qui vient vous voir et vous dit oh, « Moi, je ne veux pas faire de publicité, ça coûte de l'argent. Et combien ça rapporte ?» Tout le monde sait, les calculs de ROI sur les publicités, c'est toujours hasardeux. Bon. Et pourtant, si vous ne faites pas de publicité, vous êtes mort. Alors vous la faites d'une manière ou d'une autre. Sur nos marchés et surtout pour les gens qui sont très orientés web, et très orienté contenu, très orienté B2B, justement, le marketing de contenu va permettre d'abaisser ce coût. Pas de l'augmenter, de l'abaisser. Donc on regarde les choses à l'envers, on dit « oui, mais ça coûte cher de faire du contenu ». Non, ça coûte plus cher de faire du marketing de la performance, ça coûte plus cher de faire de la publicité. Mais vous ne pouvez pas vous le permettre. Donc, regardez le marketing du contenu, c'est un moyen, justement, de répondre à cette question de façon élégante, intellectuellement satisfaisante, que en plus ces contenus ils peuvent être réutilisés de différentes manières. Regardez par exemple, nous on a ça, on a les blog books, on écrit les blogs. Alors vous allez me dire on n'a pas le temps de faire des white papers. Ben, j'ai trouvé cette astuce là, on fait ça avec beaucoup de clients, on a beaucoup de clients, on leur dit bon vous avez besoin de white paper, ben, on va écrire les blogs et après on va faire des white papers avec, comme ça vous aurez les deux. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et ça permet de réutiliser vos articles de blog. Alors après, il faut les rééditorialiser, les réécrire, machin. Mais ça permet aussi ça va permettre de mettre le pied dans la porte. C'est quelque chose qui va me permettre d'être utilisé par les commerciaux, en présentation, de faire des webinaires comme on fait là aujourd'hui. C'est un moyen d'initier une discussion qui va ensuite amener à une discussion commerciale plus tard.
dans le futur, en établissant la compétence. Donc pour moi, votre patron de PME, excusez-moi, mais vous lui avez pas, soit vous lui avez pas posé les bonnes questions, soit vous l'avez pas challengé. Il faut savoir challenger son patron, avec amitié, bien entendu. Mais j'en ai eu un, moi, qui est venu me voir, un patron de SS2I, une grosse SS2I, hein, 10 000 personnes. Il m'a dit, je vais montrer un benchmark, comme quoi son site n'était pas une grosse merveille par rapport aux autres. Et il me dit, à la fin de ma démonstration, mais un site web, ça sert à quoi? Alors, vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, supprimez-le. Voilà, et puis une heure après, il y avait 100 000 euros sur la table pour refaire le site, ce qui n'était d'ailleurs pas assez, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, donc à partir du moment où il faut savoir aussi poser les bonnes questions et renvoyer à la personne, le patron qui est en face de vous, il va essayer aussi il faut qu'il soit convaincu, bien entendu, mais... Alors moi, la façon aussi, petite astuce aussi, comment j'ai fait démarrer toutes mes initiatives? Si vous croyez qu'on démarre toutes des initiatives comme ça, qu'on vous dit c'est on n'est pas le Figaro, touche pas au blog, et fais pas ci, fais pas ça, dis pas ci, dis pas ça, c'est ça qu'on entend sur le terrain, c'est normal. C'est normal, ça me choque même pas, c'est normal, c'est naturel. Parce que changer, c'est pénible, donc ça demande un effort. Donc c'est normal qu'on dise non. Donc la première astuce, si vous avez des compétences, si vous avez la possibilité d'avancer par vous-même, avancez, demandez pardon, ne demandez jamais s'il vous plaît. Si vous demandez s'il vous plaît, vous n'aurez jamais rien. Montrez, mettez le pied dans l'étrier, démarrez l'initiative, montrez la voie, montrez les premiers résultats. Une fois que vous avez montré le premier résultat, là vous aurez le budget. Moi j'ai toujours fait comme ça. Et ensuite, j'ai même fait autrement, d'ailleurs je regardais le budget qu'on me donnait. En général, il était grossièrement mal utilisé. Les budgets d'AdWords, ils partaient comme ça, c'était n'importe quoi. Enfin, il suffisait refaire un peu les mots-clés, de retargeter les mots-clés. Poum, je divisais mon budget par 10 et puis je réinvestissais sur autre chose. Où il y avait des investissements qui avaient été faits sur des choses hasardeuses qui étaient débiles, qui n'avaient pas de sens. Ou là où on avait investi sur certaines choses qui étaient trop chères. Ben, je pouvais faire baisser le prix, ou alors à d'autres endroits, il y avait des choses qui étaient entièrement outsourcées, je pouvais en insourcer une partie. Et finalement, je crois qu'en 10 ans, j'ai jamais demandé un rond supplémentaire. Jamais. Parce que je n'avais pas besoin. J'optimisais mon budget, je dégageais du budget, je me dégageais des marges. Je me dégageais des économies. Je faisais toujours comme ça. Je commençais les 6 premiers mois, je commençais par faire du downsizing. Je dégageais du budget supplémentaire, je rationalisais, je dégageais tous les trucs inutiles. Après, paf, je réinvestissais mon truc sur des nouveaux investissements. Pour démarrer le nouvel investissement, je commençais toujours à faire un truc tout seul. Toujours mieux. Une fois que je montrais le résultat, hop, après je pouvais passer à l'étape suivante. Alors, je ne vais pas dire du mal d'un camarade. Mon bon ami Gabriel. Alors, Medium.com. Que valent Medium.com? Que valent LinkedIn, Pulse, etc. Alors, je vais vous dire très, très, très sincèrement, j'en discutais avec Doug Searls. Doug Searls, c'est un des auteurs du Cloutrain Manifesto, donc un des manifestes fondateurs du marketing de l'Internet, hein, rien que ça. Et on en discutait justement, parce que je voulais faire un rapport sur une conférence à laquelle on avait assisté ensemble. Et il me dit, j'aurais bien essayé Pulse, etc. Je ne l'ai pas encore fait, je voudrais faire. Et il me dit, moi, à chaque fois que je le fais, j'ai moins de visites que quand je le fais sur mon site et ça ne marche pas. Et je l'ai fait effectivement, je suis arrivé à la même conclusion. Donc je vais dire, mais seulement je vais avoir peut-être un jugement un peu plus nuancé. Si vous êtes complètement inconnu, et vous avez des ressources de zéro, un compte, des comptes médias sociaux de zéro, une notoriété de zéro, vous êtes zéro. À ce moment-là, ça vaut le coup. Parce que vous n'allez pas partir de zéro. Vous allez utiliser la plateforme d'un autre. Attention, vous allez amener des visites chez quelqu'un d'autre. Mais après tout, c'est peut-être pas ce que vous cherchez. Vous cherchez un peu de notoriété, c'est pas idiot. Ça permet de mettre
un contenu là où vous n'étiez pas. Ça peut être aussi un complément intéressant à un contenu que vous avez. Vous pouvez également l'utiliser, ça je le fais de temps en temps, en mettant le début de votre contenu sur Pulse, Medium. Bon, Medium est moins connu en France maintenant, mais il commence à arriver. C'est plus américain. Mais effectivement, ça va permettre d'éviter de rentrer dans le truc, dans le travail qu'il y a à faire autour de long terme, autour de la création d'une plateforme de contenu. Ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux? D'aller écrire dans Medium ou de faire ce qu'a fait Orange Business il y a 9 ans et regarder aujourd'hui, vous pouvez taper n'importe quel terme sur les high-tech et vous tombez chez Orange Business. C'est même d'ailleurs quasiment ennuyant parce que ils sont partout. Je me rappelle, vous allez me dire, ouais, mais c'est fastoche, c'est Orange. Quand j'ai commencé il y a 9 ans, on ne parlait nulle part d'Orange Business Service. Nulle part, nulle part, nulle part. C'était zéro. Zéro recherche, zéro discussion, zéro rien. Ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Bon. Et aujourd'hui, c'est devenu, bon, pas seulement à cause de ça, bien entendu, c'est devenu une marque très importante, mais ils ont réussi à établir la crédibilité sur leur domaine, high-tech. Donc, pour moi, il faut... Ça dépend. Il n'y a pas de réponse. Il y a aussi des cas où j'ai, quand je suis prêté, où j'ai prêté plusieurs fois, ça m'est arrivé deux, trois fois, de prêter ma... Prêter ou de vendre d'ailleurs, de louer. Dans ce cas-là, je mets la clause de transparence sur mon blog, à l'espace, au client. Parce que du coup, il n'achète pas seulement le contenu, il achète aussi les visites. Et j'ai un client qui a fait une vente de 70 000 euros comme ça. Il n'a pas créé le blog, il n'a pas fait la plateforme de contenu. Il a juste fait le livre blanc, voilà, on lui a écrit le livre blanc, et les articles pour le faire connaître. Et ils ont fait 70 000 euros de vente, ils avaient investi 10 000 euros, c'était quand même un bon ROI pour répondre à Julien. Et c'est une TPE, hein, ils sont tout petits, ils sont même pas 10 en France, tout petits. Donc il n'y a pas de réponse, Alix, qui soit, comment dire... unique à ce sujet-là, mais bien entendu, si vous en avez la possibilité, créer votre plateforme en propre sera un plus, mais c'est plus exigeant, bien entendu. Oui, ça dépend. Ça dépend, mais je vous ai dit de quoi ça dépend. Donc je suis dédouané là, sur cette chose-là. C'est pas seulement une réponse de Normand. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions. On a pas mal débordé. Julien, encore une question peut-être? Ok, bah écoutez. Ok, je vous en prie. C'est peut-être un peu long. Il faudra que je recalibre ça la prochaine fois, peut-être pour raccourcir. Enfin, je sais pas. Dites-moi si ce que vous en pensez, si c'était un petit peu long. Mais donc du coup, on a perdu un petit peu de monde, c'est un peu normal. Mais. C'est vrai que c'est toujours un peu le problème, je me laisse toujours un peu embringuer, mais bon, peut-être qu'on pourrait voir avec Webikio la prochaine fois faire un petit peu plus court et laisser un petit peu plus de temps aux questions, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Ok, merci Guillaume, c'est très gentil, c'est un plaisir de partager. Il faut savoir donner pour recevoir, ça c'est la grande leçon de l'inbound marketing. C'est ça qu'il faut apprendre à vos patrons de PME. Apprenez-leur. Et puis bon appétit et bonne journée.